Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi je m'appelle Rémi, apprenti éducateur sportif au sein du CPA. Donc voilà. Bon, j'espère que chez vous il fait beau parce que chez moi il y a un peu d'orage. Donc c'est un peu embêtant en période de confinement, c'est pas très joyeux, mais bon, on aura 2 jours pour profiter du soleil. Donc voilà. Donc, bonjour à tous, hein. Bonjour à celles et ceux qui viennent d'arriver. Bah voilà quoi, on se retrouve pour un petit live aujourd'hui pour un petit cours de stretching. Donc aujourd'hui, on va être vraiment axé sur de la détente, sur de l'écoute personnelle, où on va vraiment s'orienter sur le bas du corps, le haut du corps. On va être aussi beaucoup axé sur le bas du corps, donc au niveau des gros groupes musculaires, donc au niveau des jambes. Donc c'est ça qui va être très important. Donc du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme et que votre confinement se passe bien et que vous arrivez un petit peu à profiter de vos proches, hein. Moi, ça va, c'est un peu le cas, j'essaie un petit peu de prendre des nouvelles les uns des autres. On essaye. Du coup, voilà. Je vais attendre encore un petit peu, 2 minutes, et on va commencer au cours de stretching. Donc, je le rappelle, cours de stretching débutant, adapté à tous. Donc, voilà. Vous avez juste besoin d'une serviette, d'un tapis et d'une bouteille d'eau si vous avez soif. Donc, faut pas hésiter. N'hésitez pas à boire pendant la séance, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça va être des étirements qui vont être adaptés à tous, qui sont faciles d'utilisation, enfin faciles, vous pouvez faire tous les jours, même chez vous tout seul, c'est aussi important de le savoir. Du coup, voilà, on va bientôt commencer. Adaptés à tous, qui sont faciles. Allez, n'hésitez pas, mettez-vous bien à l'aise, hein. Mettez-vous bien à l'aise. Donc moi, je vais être juste ici. Je vais me mettre à des moments à genoux. Si toutefois je vois que vous ne voyez pas trop au niveau de la caméra, je vais me mettre un petit peu à votre disposition pour me mettre sur les genoux pendant que vous resterez debout, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Hop. Et puis on va pouvoir commencer. Hop là. Allez, on va commencer debout. On va commencer par un petit échauffement, rodage articulaire, pour se mettre en forme, pour vraiment se déverrouiller un petit peu, se détendre et favoriser la détente musculaire. Ok? On se met debout, mettez-vous debout. Moi, je me mets juste ici. Je vais même augmenter la musique. Hop. Est-ce que vous m'entendez tous bien déjà? C'est la question. J'espère que vous m'entendez tous bien. Parce qu'en plus, il y a un petit décalage entre ma caméra et le live. Utilisation, enfin, facile. Allez, go. Et puis voilà. Donc voilà, bonjour à toutes celles et à ceux qui nous rejoignent. Hein. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés chez vous, vous êtes bien à l'aise. On va commencer le cours. C'est parti. Allez, sur votre tapis, debout, pied largeur de hanche ou 1,5 fois largeur de bassin, je fléchis tranquillement. Fléchissez bien sur vos genoux, tranquillement. Et cette fois-ci, on vient s'auto-grandir en passant sur la pointe de nos pieds. Expirez lentement et relâchez délicatement. Très bien. On place ensuite les mains le long du corps et on vient faire des demi-rotations de droite à gauche avec notre cou. Tranquillement. Lentement. Prenez de grandes expirations, environ 4 secondes. Et expirez tout aussi lentement. Relâchez-vous, détendez-vous bien.
concentrez-vous sur votre ressenti. Lent et contrôlé, toujours lent et toujours contrôlé. Très bien, je me mets de profil histoire que vous me voyez bien. Le dos est bien droit. Hein. Donc là, on va être sur un cours qui va durer 40 minutes. Donc voilà, 40 minutes de détente. Hein. On fait la même chose vers l'avant. 40 minutes de détente. On va vraiment notre capacité de souplesse au niveau. On place ensuite les mains sur le bassin et je viens faire des rotations complètes de droite à gauche, tranquillement, lentement. Voilà, là on prépare les hanches, on prépare le bassin tranquillement. Bon, ça va pas être trop compliqué. Donc, surtout si vous n'arrivez pas à un exercice, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous donner les clés pour les adaptations. Il y aura des adaptations plus compliquées et plus simples que d'autres. On change de sens, tout aussi lentement et contrôlé. Prenez bien une grande inspiration lente et une expiration tout aussi lente et contrôlée. Voilà. Continuez comme ça. Toujours lent et contrôlé. Très bien. On revient au centre. Très bien. Ensuite, on resserre ses pieds. On joint ses deux pieds. On place ensuite ses deux mains sur les deux genoux. Et on fait des petites rotations de gauche à droite, lentement, en faisant des flexions, des toutes petites flexions. Très légère. Regardez, très légère. On change de sens. Vous pouvez très bien faire les deux sens, hein, il n'y a aucun problème. Hop. Toujours lent et contrôlé. Ne faites pas de mouvements brusques. Là, c'est vraiment de la détente. Hein. Détendez-vous tranquillement. Tout va se jouer sur la respiration. On continue. Si vous voulez descendre un tout petit peu plus bas, histoire d'engager vos jambes, les muscles quadriceps, ischio, il n'y a pas de souci, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ça va permettre d'augmenter la vascularisation. Très bien. Ensuite, on vient faire les chevilles. On va commencer par la cheville gauche pour vous et droite pour moi. On va commencer par faire des rotations complètes de gauche à droite. Ça sera toujours lent et contrôlé. Le stretching, c'est ce qui va vous permettre justement de faire des mouvements lents, contrôlés, favoriser la détente pour favoriser une meilleure qualité d'exercice. On change de cheville, même chose. Rien de tel qu'un petit stretching pour la fin de journée, pour se détendre. Pour celles et ceux qui ont travaillé, surtout aussi, hein, c'est important. Et puis du stretching tous les jours, ça fait toujours du bien. C'est hyper important. Moi, c'est une discipline que j'aime bien. C'est des exercices que j'aime beaucoup faire parce que ça permet justement d'avoir un équilibre corporel, justement d'avoir des facilités pour les postures de tous les jours. On change de sens, même chose de l'autre côté. On vient finir par les poignets, lentement. De droite à gauche. Droite à gauche,
et de gauche à droite. En tout cas, j'espère que ça va pour vous, pour l'instant, pour l'échauffement. Ouais, j'ai toujours la main aussi verte, Mélanie. Et on change de sens. Changer de sens. Plein de fleurs, plein de... Et on relâche, tranquillement. Étape suivante. Allongez-vous sur le dos. D'abord, on fléchit ses jambes, on prend appui avec ses mains au sol, on s'allonge sur une fesse, puis sur l'autre, on tend ses jambes, on vient ensuite fléchir sur les bras, on pose un coude, puis l'autre, et on laisse se reposer le corps lentement. Là, je vais vous demander de fermer les yeux, vous concentrer sur vous. Prenez une grande inspiration de 4 secondes pour vous détendre. Et expirez tout aussi lentement. On va faire ça 3 fois. Très bien. Vous allez ensuite passer vos deux bras au-dessus de votre tête, collés au sol, et vous allez joindre vos deux mains et vous étirer pour vous auto-grandir. Prenez une grande inspiration et c'est dans l'expiration que vous allez vous auto-grandir. Et on relâche, délicatement. On reprend une grande inspiration, lente et contrôlée. Et on recommence encore une fois. On souffle pendant l'étirement. Et on relâche. Très bien. Replacez vos mains le long de votre corps, levez votre jambe droite, vous amenez votre main à votre genou droit, pardon, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous croisez vos deux pieds et vous faites des petits cercles de droite à gauche pour masser vos lombaires. Petite astuce, si vous sentez un tout petit point de tension au niveau de vos lombaires, restez dessus. Sur un côté, si vous sentez une petite tension, essayez de faire des petits massages dessus pour vraiment vous sentir vraiment à l'aise et justement essayez de disperser ce petit point de tension pour qu'il disparaisse plus facilement. On change de sens. Et on revient au centre. On vient tendre sa jambe gauche au sol. Avec mes deux mains, je viens entrecroiser mes mains, saisir mon genou droit et le ramener contre ma poitrine pour étirer mes fessiers. Prenez une grande inspiration et c'est toujours dans l'expiration que vous allez étirer pour ressentir votre fessier.
Reprenez une grande inspiration et relâchez délicatement. Vous restez le genou vers le ciel. Vous allez placer votre main droite collée en croix contre le sol. Et vous allez ensuite, avec votre main gauche, saisir le côté extérieur de votre genou droit pour l'amener du côté gauche et regarder du côté opposé à votre genou. Là, on vient étirer principalement le carré des lombes pour vraiment, vraiment détendre cette zone-là. C'est une zone qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'étirer, donc c'est important de le faire. Prenez une grande inspiration. Vous n'êtes pas obligé de garder votre main sur votre genou. Vous pouvez très bien placer vos deux mains en croix et jouer avec le poids de votre jambe. Et si c'est trop facile, vous pouvez et on revient au centre délicatement. Et je change de jambe. Je viens ensuite lever ma jambe. Je viens saisir avec mes deux mains mon genou. Et coller mon genou à ma poitrine, comme tout à l'heure. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Si c'est trop compliqué, réduisez l'amplitude. Et si c'est trop simple, augmentez l'amplitude lentement. Et on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ma main gauche en croix. Je viens saisir le côté extérieur de mon genou gauche avec ma main droite et je viens faire le même mouvement que tout à l'heure, le mouvement de bascule en regardant du côté opposé à mon genou. Lentement et contrôlé, pas de mouvement brusque. Lent et contrôlé. Expirez tranquillement en 4 secondes. Prenez une grande inspiration et expirez tout en revenant au centre délicatement et allongez votre jambe tranquillement. Ensuite, nous allons faire une technique qui s'appelle contracter, relâcher, étirer et on va le faire au niveau de l'ischio-jambier, d'accord ? Je vais vous demander de fléchir légèrement votre jambe et de contracter l'arrière de votre jambe, donc la cuisse, l'arrière de votre cuisse. Contractez-la pendant 10 secondes. On relâche. 4, 3, 2, 1. On vient saisir l'arrière de son genou avec ses deux mains et on vient étirez lentement. La jambe est bien tendue vers le ciel. Vous pouvez ramener votre pointe de pied vers vous. Si vous sentez que c'est trop facile et si c'est trop compliqué, réduisez l'amplitude. Et si c'est trop facile, augmentez l'amplitude. Et on relâche. Tranquillement, on fait la même chose de l'autre côté. On contracte l'arrière de sa jambe. Toujours pendant 10 secondes. Et on relâche. Et même chose de l'autre côté. Pointe de pied vers nous. J'aime beaucoup parce que
C'est ça qui permet d'augmenter la souplesse musculaire en fonction des groupes musculaires que vous utilisez et que vous étirez. Même chose encore. Donc ça, on va faire 3 fois de chaque côté. On contracte l'arrière de sa cuisse. Allez, contractez, contractez, contractez. Et relâchez. Et on vient étirer. Donc là, vu qu'on est sur la deuxième partie, vous pouvez augmenter un tout petit peu plus l'étirement. Allez-y toujours tout aussi lentement. Prenez une grande inspiration. Et c'est dans l'expiration que vous étirez lentement vers vous. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on relâche délicatement. Encore une fois à gauche. Je lève ma jambe. Contraction pendant 10 secondes. Et je relâche. Je tends ma jambe. Et je viens étirer lentement, toujours aussi lentement. Inspiration 4 secondes et expirez lentement en ramenant un tout petit peu plus vers vous. Toujours des mouvements lents. Donc là, on étire principalement l'ischio-jambier. Muscle fléchisseur de la jambe. Très gros groupe musculaire. C'est pour ça qu'on met plus de temps à l'étirer. Plus vous avez un gros groupe musculaire, donc c'est-à-dire quadriceps et ischio par exemple, et bien relâchez, plus ça va vous permettre avec des étirements répétés d'augmenter la souplesse musculaire. Et une dernière fois à droite, on continue. N'hésitez pas, hein, s'il y a des problèmes au niveau de l'amplitude, hein, comme je vous ai dit, serviette ou élastique, ou sinon tout simplement réduisez l'amplitude. Allez, on continue, on contracte, on contracte. Et on relâche. Et là, on vient ressaisir encore une fois. Et on vient ensuite étirer encore un peu plus que la fois précédente. Allez, c'est bien, il faut continuer. On ne relâche pas. Je sais pas si vous entendez le tonnerre, mais moi, je l'entends un petit peu. Ça, c'est bien, ça met dans une ambiance. Ouais. Et on relâche délicatement, tranquillement. Et la dernière fois, avec l'autre jambe, on contracte, on contracte, on contracte. Pendant 10 secondes. Et on relâche. Et on vient étirer. Toujours un petit peu plus. Prenez une grande inspiration avant l'étirement et c'est dans l'expiration. C'est dur, c'est normal. Réduisez l'amplitude si besoin. Et on relâche. Très bien.
Allez, pour l'arrière de la jambe. Et relevez votre jambe droite. Donc vous allez lever votre genou. Avec votre main droite, vous allez appuyer sur l'intérieur de votre jambe et vous allez faire la même chose de l'autre côté. On va venir étirer l'intérieur de la jambe. Prenez une grande inspiration et c'est dans l'expiration que vous venez étirer tranquillement, lentement, l'intérieur de votre cuisse, les muscles adducteurs. Lente et profonde. Et on expire lentement. Et on relâche. Très bien. On pose ses deux pieds au sol. La jambe droite passe par-dessus la jambe gauche. Le côté extérieur de la cheville est reposé sur l'avant de la cuisse. Avec ma main, je passe entre ma jambe droite, je viens saisir mon tibia ou mon genou, et je viens ensuite ramener mon genou gauche et ma jambe droite vers moi pour étirer mes fessiers. Si vous avez des soucis d'amplitude, vous pouvez réduire l'amplitude. Si toutefois c'est trop facile, augmentez l'amplitude. Ramenez un peu plus vers vous. Allez, on va chercher un tout petit peu plus loin. Encore. Allez, ressentez bien l'extérieur de votre fessier et votre fessier, c'est hyper important. Ressentez bien, écoutez votre corps. Et on relâche. Je lâche délicatement. Le pied au sol, le deuxième. Et on change de côté. Même chose de l'autre côté. Je saisis mon genou droit. Je garde mes deux omoplates collées au sol et je viens ensuite étirer vers moi. Prenez une grande inspiration, 4 secondes d'inspiration. Détendez-vous tranquillement. Et si vous voulez, vous pouvez même faire des petites bascules de droite à gauche pour continuer de masser vos lombaires si vous le souhaitez. Expirez tranquillement, allez chercher un tout petit peu plus loin. Ça, c'est des super exercices que vous pouvez reproduire chez vous en plus. C'est hyper intéressant. Ils sont simples. En général, on tient entre 30 et 45 secondes sur le mouvement si on veut. Et en plus, répétez. Vous pouvez répéter plusieurs fois si vous voulez avoir une qualité et un meilleur rendu. Je relâche tranquillement. Très bien. Je m'allonge. Je bascule du côté gauche. Je fais une rotation de bassin. Je ne me mets pas sur le ventre, je me mets sur le côté. Je place ensuite ma main droite sous ma tête. Une bascule de bassin. Je viens ensuite ramener mon talon près de mes fessiers, donc ma jambe gauche que je viens attraper avec mon bras gauche, et je viens contracter le quadriceps. On va faire la même méthode, contracter en faisant une contre-résistance avec votre main, et je relâche, et je viens ensuite rattraper avec ma main gauche ma cheville ou l'avant de mon pied. Je bascule le bassin vers l'avant. J'essaie de tenir
et je viens engager le bassin pour accentuer l'étirement au niveau de mes deux extrémités osseuses et au niveau de mes deux extrémités musculaires. Donc là, on étire principalement le quadriceps, pardon, qui est extensible. Donner un coup de pied en fait, dans un ballon. Allez, c'est peut-être un peu dur. Si c'est compliqué, on réduit l'amplitude. Et si c'est trop facile, on continue. Et attendez, c'est pas fini. Hein. On le fait trois fois de chaque côté. Hein. Ah ah. Et je relâche, tranquillement. On va rester de ce côté-là, et on va le faire encore deux fois. Je viens contracter encore mon quadriceps, je viens ensuite saisir mon coup de pied, je contracte, je fais contre-résistance avec ma main. Allez, allez, pendant 10 secondes, toujours. Et je relâche. Ah là là, on sent bien le quadriceps là. Je viens ensuite saisir l'avant de ma cheville et engager le bassin vers l'avant. Et si vous voulez, vous pouvez augmenter l'amplitude. Et je relâche. Et une dernière fois de ce côté. On continue. Je contracte le quadriceps. Contractez. Allez, allez, on continue. Et je relâche. Allez, si vous sentez correctement votre quadriceps, c'est que vous êtes bien placé. Sinon, on étire. Sinon, il faut essayer de vous replacer correctement, d'être vraiment sur le côté de votre, sur votre côté droit, en fait, et vous engager bien correctement. Si toutefois, c'est trop compliqué, vous pouvez très bien reposer votre tête sur votre épaule. Mais le mieux, c'est d'aligner la tête à la colonne vertébrale, enfin les cervicales à la colonne vertébrale. Et de vous placer avec une main vers l'avant pour éviter de tomber vers l'avant. Et je relâche. Très bien. Je prends appui avec ma main gauche. Je me relève tranquillement. Je pousse sur ma main gauche. Je me place sur mon coude droit. Je viens ramener ma jambe droite, ma jambe gauche. Je pousse ensuite avec l'autre jambe, l'autre main, pardon. Et je change de sens. Je ramène une jambe. Demi-tour. Même chose que tout à l'heure. Un coude. Puis l'autre. Et je descends tranquillement. Et je relâche. Et je viens étirer. Prenez une grande inspiration et c'est dans l'expiration que je viens étirer lentement. Et je relâche, tranquillement. Et une deuxième fois, je prends une grande inspiration lente et contrôlée. Et je viens contracter en soufflant. Contracter pendant 10 secondes. Contracter.
et relâcher tranquillement. Et je viens étirer cette fois-ci. Continuez. Augmentez l'amplitude si c'est trop facile, sinon réduisez l'amplitude. Il y a un de ces orages chez moi, c'est un truc de fou. Heureusement qu'on s'est pas mis dehors. Je pense que là, ça aurait été différent. On aurait fait un stretching sous la pluie. C'est top, hein. Et on relâche. Très bien. Et on fait une dernière. Et c'est reparti. Contraction, 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 on relâche, et on étire. Allez, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à réduire l'amplitude s'il faut. Et on relâche, tranquillement. Très bien. Je viens ensuite faire une bascule de bassin pour me placer sur le ventre. Je place ensuite mon buste sur le ventre, au sol. Je prends une grande inspiration, je repose ma tête au sol. Je place ensuite mes deux mains sous chacune de mes aisselles. Et là, on vient relever la tête vers le ciel en poussant sur ses mains pour tendre les bras. Alors pour les personnes qui veulent, vous pouvez très bien vous mettre et faire la même chose sur les coudes. En relevant votre tête, si toutefois vous avez des problèmes lombaires ou des problèmes de dos, il n'y a pas de souci. Pour les personnes pour qui c'est plus facile, vous pouvez très bien pousser ensuite sur vos mains vers le ciel. Et regardez vers le ciel. Donc là, on étire principalement les abdominaux. On prend une grande inspiration et on étire. Ressentez bien l'étirement au niveau de votre psoas, de vos abdominaux. Et je relâche. J'accompagne le mouvement lentement et contrôlé, comme tout à l'heure. Je garde mes mains sous mes aisselles, je repose ma tête. Je prends une grande inspiration et je viens ensuite pousser sur mes mains et je viens décoller mon bassin pour m'aligner. Au niveau des genoux, je me place sur mes genoux. Les mains sont à hauteur d'épaule, à largeur d'épaule aussi. Je rentre ma tête vers mon bassin et je viens arrondir le dos en poussant vers le sol, en poussant vers le ciel, pardon. Et là, je viens étirer toute la chaîne dorsale. Et là, je viens étirer toute la colonne vertébrale lentement. Poussez lentement, tranquillement. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Et je relâche tranquillement. Je prends ensuite place. Je me place sur mes talons, tranquillement. Je viens ensuite allonger une main devant le plus loin possible et ensuite l'autre. Et je viens rentrer ma tête entre mes genoux. Et je vais chercher le plus loin possible.
et je me redresse en poussant sur mes mains vers le sol et je déroule le dos lentement, tranquillement. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, si c'est trop compliqué, vous pouvez très bien vous placer assis, il n'y a pas de souci. Restez sur vos genoux si vous le souhaitez. Je me mets en face de vous, restez dans cette position. Je viens ensuite placer mes deux mains vers l'avant et je viens écarter le plus possible pour étirer l'avant de l'épaule et les pectoraux. Donc cette partie et l'avant de l'épaule. Je regarde vers le ciel et je vais chercher le plus loin possible. Et je relâche tranquillement. Je viens ensuite avec ma main gauche venir la coller contre mon épaule droite et je viens avec ma main droite saisir l'arrière de mon épaule gauche pour venir étirer l'arrière de mon épaule. Donc ça, ça aide beaucoup pour la souplesse et la mobilité articulaire, ces exercices, c'est hyper important. Si vous pouvez vraiment le faire chez vous, une, deux, trois fois par semaine pour les personnes qui ont vraiment le temps de le faire et qui prennent le temps, c'est vraiment intéressant. En cette période de confinement, en plus, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de s'occuper de soi, vraiment faire attention. C'est pas facile en ce moment. Donc voilà, essayez de vous retrouver personnellement sur des exercices, des mouvements qui vous font du bien. Ça aide beaucoup et ça permet vraiment de retrouver un équilibre mental qui est vraiment, vraiment top, quoi. En plus, pour la reprise du travail, ça va vous servir, justement. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Tranquillement. On prend une grande inspiration et c'est dans l'expiration que je viens étirer lentement. Je relâche. Très bien. Ensuite, ma paume de main droite, avec ma main droite, sera vers le ciel. Avec ma main gauche, je viens saisir la pointe de mes mains droit et je viens tirer vers le sol pour accentuer l'étirement principalement sur le biceps, mais principalement sur l'avant-bras. Le dos est toujours droit. On se tient droit. Le bras est tendu, on prend une grande inspiration et on expire lentement. J'aime bien cette musique, ça nous met dans une petite ambiance orientale, j'aime bien. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Allez, réduisez l'amplitude si c'est trop compliqué. Ou augmentez l'amplitude si c'est trop facile. Toujours la même chose. N'essayez pas de dépasser vos limites brutalement, essayez justement d'y aller tranquillement, petit à petit. Vous verrez que ça va marcher tout seul. Et on relâche. Très bien. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans une phase de relaxation tranquillement pendant 5 petites minutes. Et on va placer ses deux mains au sol, tranquillement. La tête vers votre gauche, donc ma droite. Je tends mes jambes.
Je me retourne tranquillement, comme tout à l'heure, une main sur les deux côtés. Ensuite sur les coudes. Et ensuite sur le dos, en contrôlant la descente. Et placez-vous dans une position la plus confortable possible. Prenez une grande inspiration. Et expirez lentement. Encore une fois, une grande inspiration, profonde, très lente. Et on expire lentement. Vous pouvez très bien vous allonger sur le ventre comme sur le dos, il n'y a aucun problème. Allez, une dernière fois.
Allez, on reprend une grande inspiration profonde. 4 secondes. Et on expire lentement, tranquillement. Encore une fois. Et on expire. On ouvre les yeux. Tranquillement. On joint ses mains le long du corps. On place ensuite sa main gauche du côté droit. On fait une petite bascule vers la droite. On prend appui sur sa main gauche. On se place sur le coude droit. On rejoint les jambes l'une après l'autre. On se relève tranquillement. On se place sur ses genoux. De face. Je prends appui sur mes mains. Je me place sur mes pointes de pied, comme ceci. Je fais une bascule sur mes pointes de pied. Je viens ensuite lever les fessiers vers le haut, tranquillement. Et je viens garder mes genoux fléchis pour arrondir et relever le dos tranquillement. Très bien. On finit par des petites rotations, 3 rotations d'épaule en arrière. Lente et contrôlée toujours. Et 3 vers l'avant. On prend ensuite une grande inspiration. Je fléchis sur mes jambes, je viens m'auto-grandir. Et j'expire lentement. Et je relâche tout aussi lentement. On fait la même chose un tout petit peu plus rapide. Je prends une grande inspiration. Je m'étire, je passe pointe de pied pour augmenter l'étirement. Et quand je vous dirai à 3, on relâche vers le sol d'un seul coup. 3, 2, 1. Et je souffle. Je fléchis les jambes. J'arrondis le dos. Je me redresse. On termine par un grand écart, si vous voulez. Non, je rigole. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. Bravo à vous. Bon, j'espère que ça a été facile pour vous, en tout cas. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce cours. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de le faire avec vous. Donc, prenez soin de vous. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je vous donne mon profil Facebook. Donc, c'est Rems Rémi, R-E-M apostrophe S, Rémi avec un Y. Donc vous voyez, il y a ma tête sur la photo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions au niveau des mouvements, au niveau de l'amplitude, au niveau de ce que ça travaille, au niveau de plein de choses, au niveau du stretching, je suis ouvert, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, prenez soin de vous, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce cours. J'espère que ça vous a plu, moi en tout cas ça m'a vraiment plu de le faire avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et puis détendez-vous bien, et prenez soin de vous. À bientôt, bon courage.